Ça va partir sur une déferlance de pouces rouges. Je ne connais pas la moitié des films que je vais vous citer ici. Je l'ai jamais trop dit sur cette chaîne YouTube, mais moi et les films d'animation, c'est une histoire d'horreur. Vous allez le constater dans cette vidéo, et vous le constaterez aussi dans la vidéo qui sortira quand je fais les tier list des films d'animation, une rediffusion de live, mais je suis en train de la monter. Vraiment, moi et les films d'animation, bon, on n'est pas très potes. Je connais les grands classiques, mais je suis jamais allé chercher plus loin. Et pour vous dire même, le gagnant de ce tournoi, j'ai même pas vu son film. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Quel est basé sur la communauté, basé sur vos choix. Il y a 2 semaines, je vous avais proposé de choisir entre 2 thèmes pour le prochain tournoi. Il y avait d'un côté les mangas animés et de l'autre les films d'animation. Vous avez choisi le thème des films d'animation. Pendant 1 semaine, je vous ai demandé de me citer un maximum de films d'animation. Et la semaine qui a suivi, j'ai fait un tournoi pour savoir quel était votre film d'animation préféré. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais juste vous épargner les qualifications, on va directement passer au premier tour. Mais avant de commencer à vous énumérer les matchs, je voulais vous remercier pour la participation à ce tournoi, on a battu des records. Alors bon, forcément, le quel est votre film préféré restera tout en haut parce qu'il y avait 82 participants, mais sur le tournoi des films d'animation, vraiment, vous avez explosé les scores, et surtout sur Instagram, merci beaucoup de votre participation sur Instagram notamment. Évidemment, je vous invite donc à me suivre sur Instagram pour suivre les prochains tournois. En plus, le prochain tournoi, c'est un tournoi spécial octobre, puisqu'il concernera les films d'horreur. Merci en tout cas pour votre participation. Et maintenant on passe au match. On est au premier tour, premier participant de ce tournoi, c'est un film qui fait partie d'une saga, une des sagas que je déteste le plus, que je trouve inutile, Dragon. Bienvenue à l'entraînement Dragon. On recule pas. La tôle de pouce rouge que je vais me manger sur ce que je viens de dire. Dragon 1 qui tombe face à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Zéro, Noël n'est pas encore passé. Et là, moi, contrairement à Dragon, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est mon grand favori du tournoi. Et j'ai l'impression que pour vous aussi, parce qu'entre Dragon et l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous avez préféré l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack se dirige donc en 8e de finale et tombe face à Nicky Larson, Private Eyes. Nicky est le meilleur nettoyeur qui soit, personne ne lui arrive à la cheville. Comment ça, nettoyeur? Quelqu'un qui débarrasse les rues de ses crapules, si vous préférez. Évidemment, un film que je n'ai absolument pas vu. Et entre ces deux films d'animation, celui qui passe en quart de finale, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien, nous avons déjà un quart de finaliste, il s'agit de l'étrange Noël de Monsieur Jack, essayons d'aller lui trouver un concurrent. On retourne au premier tour, on va se faire affronter 2 nouveaux films d'animation. 2 films d'animation qui nous viennent de 2 endroits totalement opposés. Et en même temps, ces 2 endroits opposés, c'est ce qui représente tellement bien le monde du film d'animation aujourd'hui, puisque d'un côté, on a les studios Ghibli, et de l'autre, on a les studios Disney. C'est un petit peu les 2 écoles dans le monde du film d'animation. Et ça ne pouvait évidemment pas y échapper dans ce tournoi. D'un côté, on va retrouver un film des studios Ghibli, Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro qui tombe face à un film très classique de chez Disney, Pixar, tout ça, Ratatouille. Deux films incomparables qui sortent de 2 univers totalement différents. Et entre ces 2 films d'animation, celui que vous avez préféré qui passe en 8e de finale, c'est Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro se dirige donc en 8e de finale et tombe face à un nouveau film d'animation. Encore évidemment parce que c'est le thème du tournoi, en même temps il va pas tomber face à une armoire ou une étagère, j'en sais rien. Mon voisin Totoro qui affronte les enfants loups. Il y a de la neige partout. Et entre ces 2 films d'animation, ces 2 films Ghibli, vous avez préféré Mon voisin Totoro. Ça nous fait déjà un quart de finale, l'étrange Noël de Monsieur Jack face à Mon voisin Totoro. Encore une fois, 2 films incomparables produits d'une manière tellement différente. Entre ces 2 films d'animation, le premier demi-finaliste de ce tournoi, c'est Mon voisin Totoro. Celui que j'estimais être favori du tournoi vient de se faire éliminer et en même temps, je voyais pas comment Mon voisin Totoro ne pouvait pas au moins atteindre la place de la demi-finale. Il nous manque encore 3 demi-finalistes à trouver, on va s'y atteler maintenant. On retourne au premier tour et là on va traiter d'un des films, de mes films préférés, tout confondu. La Reine des Neiges. Bonjour. Bonjour, à moi? Oh, bonjour. C'est une blague, évidemment. C'est un film de merde. La Reine des Neiges qui tombe face à Shrek 2. Oh, pardon. Et entre ces 2 films, entre La Reine des Neiges 1 et Shrek 2, celui que vous avez fait passer en 8e de finale, c'est Shrek 2. Shrek 2 se retrouve en 8e de finale et tombe face à un nouveau film. Et là, ça va être plus compliqué pour lui puisqu'il s'agit de Kung Fu Panda 1. Ah.
Et là, on ne parle pas de Shrek 1 face à Kung Fu Panda, mais bien de Shrek 2. Alors peut-être que le 1 aurait fait le poids, mais évidemment, entre Shrek 2 et Kung Fu Panda 1, vous avez préféré Kung Fu Panda 1. Kung Fu Panda se retrouve en quart de finale, on va essayer d'aller lui compléter, d'aller trouver un concurrent. On retourne au premier tour et là on va traiter d'un film qui était déjà apparu dans la vidéo « Quel est votre film préféré ?». Le film en question c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Cette fois-ci, je me suis pas trompé dans la prononciation parce que je m'étais trompé la dernière fois. Un des plus grands classiques de la production Ghibli qui tombe face à un des plus grands classiques du film d'animation tout court, Wall-E. Wall-E, je pense que c'est un des premiers films très nostalgiques en termes d'animation dont tout le monde se rappelle. Et pour le coup, l'impact nostalgique, bah, il marche bien puisque vous avez préféré Wall-E. Wall-E se dirige donc en 8e de finale et tombe face à un nouveau film, Le Château dans le Ciel. Agenouille-toi, supplie-moi de t'épargner et oblige le petit à me rendre le cristal. Et je sais pas comment l'expliquer puisqu'en même temps, je n'ai pas vu ce film, mais vous avez préféré Le Château dans le Ciel à Wall-E. D'un point de vue extérieur, ça fait très bizarre de voir des films que tu aimes beaucoup sortir. Je pense que Le Château dans le Ciel est un grand classique, mais vu que je ne l'ai pas vu, ça fait bizarre parce que bah, il est en quart de finale quoi. Kung Fu Panda a donc son opposant, il s'agit du Château dans le Ciel, et comme je l'ai dit juste avant, ça fait très bizarre de voir un film gagner alors que tu l'as pas vu, puisque vous avez aussi préféré Le Château dans le Ciel face à Kung Fu Panda. Là je commence à me poser des questions, je pense que je suis passé à côté d'un bon film, mais en même temps c'est pas le genre de truc qui m'attire. Enfin bref, ça veut dire qu'on a déjà complété une demi-finale, 100% Ghibli, mon voisin Totoro face au Château dans le Ciel. On va pas s'intéresser à ce match d'abord, on va essayer d'aller compléter l'autre demi-finale. On va continuer le massacre et là on arrive dans la deuxième partie du tableau. Et je peux vous dire que les matchs, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé au premier tour, on va en parler. On va d'abord s'intéresser à un match moins scandaleux. On va retrouver deux nouveaux films d'animation, le premier il s'agit de Toy Story 4. Toy Story 4 qui termine tellement bien l'arc narratif autour de Woody qui tombe face à... là-haut. Avez-vous besoin que je vous rende service ? Non merci, je n'ai besoin de rien. Comme pour Wall-E, je pense que c'est un film très nostalgique qui a marqué les gens. Alors que Toy Story, ça vient d'arriver, enfin le 4 en tout cas, ça vient d'arriver. Je pense que ça n'a pas encore eu l'impact que ça devrait avoir. Là-haut, ça fait déjà des années qu'il est sorti, c'est un film très nostalgique, très très beau. Et ça se voit dans le tournoi puisque vous avez préféré Là-haut. Là-haut qui s'offre clairement un boulevard pour moi. Il se retrouve en 8ème de finale, il va tomber face à encore un nouveau Disney, Mulan. Quelqu'un a demandé un miracle ! Alors dites... Et comme pour avant sur un film aussi nostalgique, bah vous avez préféré... Bah non, vous avez préféré Mulan. Mulan est donc en quart de finale, ça m'a moi-même étonné, puisque j'adore Là-haut, mais comme j'ai pas vu Mulan, bah je sais pas l'impact que ça a, s'il faut c'était encore mieux, bah je me doute puisqu'il est passé. Mulan est donc en quart de finale, pour l'instant on a personne en face, on va essayer d'aller compléter ça, mais c'est là que je pense que j'ai brisé beaucoup de cœur. On est au premier tour, et ce match-là veut dire énormément de choses pour le tournoi, pour la suite du tournoi. Puisque ce match se voit affronter le plus grand classique des studios Ghibli face au plus grand classique de Disney. D'un côté, Princesse Mononoke. Ashitaka, ne peux-tu sauver ta bien-aimée ? Et de l'autre, le Roi Lion. C'est moi Simba, c'est moi le roi, royaume animal. Je suis désolé, au premier tour, le Roi Lion face à Princesse Mononoke. C'était horrible pour vous. Ce match-là fait partie des trois les plus scandaleux, mais on va traiter des deux autres juste après. Ces trois matchs-là, ils ont eu énormément de votes, et pourtant, ils ont eu tous les trois une égalité. C'est-à-dire qu'à la fin du premier tour, bah, j'étais bloqué, parce que j'avais trois égalités. J'ai dû refaire un sondage après coup pour savoir lesquels passeraient en 8ème de finale. Mais le fait de devoir prendre une décision entre le Roi Lion et Princesse Mononoke, c'est quand même... Bah, c'est du sadomaso en fait. C'est un match qui aurait dû tomber en finale, pas au premier tour. J'avoue que je suis désolé pour ça. Mais évidemment, il a fallu faire un choix. Il n'y a qu'un seul des deux films qui a pu passer en 8ème de finale. Et vous avez préféré Princesse Mononoke. Je vais me faire détester par les fans du Roi Lion. Oh là là. Princesse Mononoke est donc en 8ème de finale. Tombe face à un nouveau film d'animation. Tombe face à Akira. Là, pour le coup, le suspense... On l'oublie, c'est Princesse Mononoke que vous avez préféré. Troisième quart de finale, Mulan face à Princesse Mononoke. Comme je l'ai dit, je vais me faire détester par la communauté du Roi Lion. Et je vais me faire détester par la communauté qui aime Princesse Mononoke, puisque vous avez préféré Mulan à Princesse Mononoke. Mulan passe en demi-finale. Il va falloir que je pense à appeler des assurances ou des bunkers parce que je pense que je suis mort. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Il nous reste encore deux matchs au premier tour.
je suis pas prêt de les assumer. Je vous ai parlé tout à l'heure des trois matchs qui ont fini à égalité après minuit passé. Il y en a deux qu'on n'a pas traité. Du côté de Gilby, on a déjà traité de deux des plus grands films du studio, Princesse Mononoke et Mon voisin Totoro. Il reste encore un classique qui n'est pas passé dans le tournoi. Je pense que vous voyez exactement de quel film je parle. Prenez ce film en tête et maintenant prenez les deux premiers volets de deux sagas cultes de Disney. Autrement dit, Toy Story et Shrek. Et pour compléter le tout avec un quatrième participant, rajoutez Monstres et Compagnie. Sur ces quatre participants répartis en deux matchs, il n'y a que deux gagnants. Imaginez la souffrance de devoir en laisser deux. Les deux premiers matchs concernent les deux premiers volets que j'ai cités, Shrek 1. Où est-ce que je vais dormir ? Dehors ! Face à Toy Story 1. Quoi ? N'y compte pas ? Ah ! Ça fait mal, ça fait très très mal. Et entre ces deux premiers volets, ces deux films d'animation, vous avez préféré Toy Story 1. Et pour l'autre match, qui oppose donc forcément Monstres et Compagnie. Je vous ai à l'œil, Razovski. Je vous ai toujours à l'œil. Toujours. Face au voyage de Chihiro, vous l'avez deviné. Entre ces deux classiques du film d'animation, vous avez dû en choisir qu'un. Vous avez préféré Monstres et Compagnie. Je pense que je vous ai fait énormément mal avec ce tournoi, très sincèrement. Monstres et Compagnie rejoint donc Toy Story en huitième de finale, ce qui fait qu'il y en a encore un des deux qui va être éliminé. Et entre Monstres et Compagnie et Toy Story 1, vous avez préféré Monstres et Compagnie. Voilà, je pense que les plus gros classiques ont été éliminés ou sont passés. Je me suis fait détester par tout le monde. Je vais pouvoir traiter des deux derniers matchs tranquillement. Monstres et Compagnie monte en quart de finale. C'est le dernier, il faut quand même lui trouver un concurrent. Pour ça, on retourne au premier tour. On va traiter de deux matchs plus tranquilles. Premier match, premier film d'animation. Il s'agit de Kiki la petite sorcière. Qui affronte le château ambulant. Et entre ces deux films d'animation, vous avez préféré Le Château Ambulant. Le Château Ambulant qui se retrouve en 8ème de finale et qui tombe face à un film qui était aussi présent dans la vidéo Quel est votre film préféré ? Le Château Ambulant qui tombe face à Spider-Man Into the Spider-Verse. Dad, I love you. That's a copy. Et entre ces deux films d'animation pour aller rejoindre Monstres et Compagnie en quart de finale, vous avez préféré Le Château Ambulant. Nous avons donc notre dernier quart de finale, Monstres et Compagnie face au Château Ambulant. Lequel de ces deux films d'animation rejoindra Mulan en demi-finale, vous avez préféré Le Château Ambulant. Ok, on est presque à la fin de cette vidéo, ça aurait été très très dur de vous annoncer les scores. Franchement, j'ai pas vu la moitié des films, mais j'imagine à quel point ça devait être dur ce tournoi. On a enfin nos demi-finales de ce tournoi des films d'animation. D'un côté, Mon voisin Totoro face au Château dans le ciel, et de l'autre, Mulan face au Château Ambulant. On va se concentrer sur le match 100% Ghibli, Mon voisin Totoro face au Château dans le ciel. Sur les deux matchs, et même depuis le premier tour, c'était toujours hyper serré, ça s'est joué tellement à peu de votes à chaque fois. Et le premier finaliste de cette vidéo, c'est Mon voisin Totoro. Putain, Mon voisin Totoro en finale, je l'ai pas vu, mais franchement, ça m'étonne pas. Pour rejoindre Mon voisin Totoro en finale, il nous reste une demi-finale à traiter. Mulan face au Château Ambulant. Est-ce qu'on aura une finale 100% Ghibli ou 50% Ghibli, 50% Disney ? Entre Mulan et le Château Ambulant, vous avez préféré Le Château Ambulant. Ghibli, je sais plus quoi dire. Nous avons donc notre finale, Mon voisin Totoro face au Château Ambulant. Lequel de ces deux films deviendra votre film d'animation préféré? Comme d'habitude, vous le saurez après l'outro. J'espère que ce tournoi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à déverser votre haine dans les commentaires pour dire mais quelle honte que le Roi Lion soit sorti, mais quelle honte que Princesse Mononoke soit sorti. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Discord pour le prochain tournoi qui sera, je vous le répète, basé sur les films d'horreur. En attendant, moi c'est ici que je vous laisse. C'était votre Captain Marvelous, portez-vous bien. Ciao.